Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Yoka Watch Weeble Wobble. Alors je vous l'avais dit, dans les prochaines vidéos je devrais porter des lunettes. Normalement je devais porter des lunettes de correction, mais en fait ma vue s'est améliorée d'un coup, ce matin, au réveil. Donc tant mieux, enfin j'ai toujours une photophobie, mais au moins j'ai plus besoin de porter de lunettes de correction parce que j'ai plus de problèmes de vue floue. Mais je porte quand même des lunettes parce que celle-là elle protège de la lumière bleue. Et il paraît que c'est quand même... attendez, je baisse un peu le son. Voilà, il paraît que c'est quand même assez cool. Enfin, que la lumière bleue, au contraire, c'est pas cool. Et donc voilà, je préfère quand même me protéger un peu des lumières. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve sur Weeble Wobble. Il y a un nouvel événement. Et cet événement, c'est le Festival des Poupées. Alors, le Festival des Poupées, c'est un festival très japonais. D'ailleurs, ça s'entend. Écoutez. Ça s'entend, c'est une musique très japonaise. On voit d'ailleurs que c'est très japonais dans l'ambiance de la map, etc. Regardez, il y a même des cerisiers du Japon en fleurs, etc., etc. Des blizzarias, des camélias qui portent des kimonos japonais. Et en fait, le festival des poupées, normalement, c'est pas du tout en décembre, hein, au Japon, c'est en mars. Et c'est aussi le jour des filles. En fait, c'est un festival qui dure un jour. Et c'est aussi une fête, en fait, en l'honneur des filles. Des petites filles, surtout des enfants, quoi. Des filles qui nous regardent, là, qui ont entre, j'en sais rien, peut-être... peut-être 0 ans à 18 ans, j'en sais rien. Mais donc c'est le jour spécialement pour les filles, parce qu'il y a aussi un jour spécialement pour les garçons. Et quand je dis petites filles et petits garçons, c'est parce que je crois que c'est vraiment un jour qui est pas pour les adultes. C'est genre vraiment un jour, je crois, où peut-être les grands-parents donnent de l'argent aux enfants, ou j'en sais rien, mais c'est un jour destiné, donc ce jour-là, pour les filles, enfants. Et l'autre, le jour des garçons, c'est pour les garçons enfants. Et il n'y a pas de jour d'adulte parce que on s'en moque quand on devient adulte et bon, on n'a plus besoin de jours pour soi. C'est tous les jours, c'est pour soi. Et donc, eh bien, en fait, on érige dans les maisons sur des petits tapis rouges, en fait, sur des marches rouges, des petites poupées japonaises très mignonnes. Et tout en haut, eh bien, on met une poupée de l'empereur et une poupée de l'impératrice, parce que je sais pas si vous le savez, mais au Japon, c'est une démocratie, hein, ils ont un premier ministre, ils ont pas de président, mais ils ont un premier ministre, je crois. D'ailleurs, quel est son nom? Je dis ça parce que j'ai oublié. Et ils ont un empereur. D'ailleurs, je crois que leur empereur, il vient d'abdiquer il y a pas longtemps. Mais bon, si leur empereur a abdiqué, c'est son fils qui devient nouvel empereur. Bref, c'est un empereur, c'est pareil qu'un roi, hein. C'est le fils qui devient empereur, ou la fille, s'il n'y a pas de fils, c'est la fille. Voilà. Donc, eh bien, nous, on va faire ce petit événement aujourd'hui. Ça a l'air d'être un événement un petit peu sympa. Il y a encore une fois de nouveaux yokai. Bah attendez, je vais vous montrer ça rapidement. Puis on va jouer au bingokai, mais j'ai pas énormément d'argent. Donc on va jouer deux fois au bingokai, pas plus. Désolé les amis, je pourrais pas jouer plus au bingokai. Deux fois, c'est déjà pas mal. Donc, ah oui, déjà au bingokai, il y a des yokai qui sont de retour. Bon déjà, il y a l'ambassadeur merveilleux. Gorgeous. Merveilleux. Non, c'est pas merveilleux, gorgeous, magnifique, quelque chose comme ça, bref. Un nouveau yokai américain qui a l'air assez puissant. Puis il y a le retour de Dominician. Pourquoi pas, hein, si je tombais dessus, ce serait cool. Donc là, c'est les yokai aussi du Festival des Poupées. Donc lui, c'est le plus fort, hein, la fille. Et pour l'avoir, c'est très compliqué. C'est pas une histoire de passe, je crois que c'est une... Si, c'est une histoire... Oh, j'en sais rien, je sais pas comment on fait. Et sinon, donc, parce que c'est l'impératrice et l'empereur. L'impératrice Jibanyan fille et l'empereur Jibanyan garçon, voilà. Et donc, bien sûr, il y a d'autres yokai, etc. Mais nous, on va découvrir ça ensemble. Donc, comme j'ai dit, attendez, je joue avec Koalanyan cette fois, parce que j'avais envie de prendre... Oh, j'ai fini pas mal de missions. J'avais envie de jouer avec Koalanyan, je me suis dit que on va le découvrir ensemble. Mais avant ça, on va jouer au bingokai. Et, ouais, donc on va y jouer deux fois. 4500, ouais, c'est extrêmement cher. Donc j'y joue deux fois, pas plus. Désolé, c'est vraiment... Ça se trouve, je vais avoir un truc, hein. En deux fois, on peut avoir un truc de dingue, ou pas. Ah bah, ok. Ça commence par un yokai de rang A, qui est un yokai de l'événement. Les amis, j'ai même pas demandé encore que vous me souhaitiez bonne chance, et je commence déjà avec un yokai de l'événement. Non mais c'est dingue. On a beaucoup de chance là. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance pour le retour de mes vidéos. Le jeu Weeble Wobble, il a pas envie de me dégoûter. Hein. Donc, amplifie, d'accord, un nouveau yokai. Wow, je suis choqué. Non, comment on peut dire ça? Je suis comme choqué que tu m'aies eu. Attends, tu devrais pas être un peu plus excité? Bah, je... Ouais, bon, c'est vrai, j'étais pas si excité que ça parce que c'est qu'un rang A. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Ok, bon, bah alors charge le truc. Bon, bah on va rejouer une fois, on est en veine. Allez, laissez des pouces bleus, laissez des commentaires. Peut-être que vous porterez chance. Vous avez, rien que par votre présence, vous m'avez déjà porté chance. Mais on ne sait jamais. Voyons voir. Oh! What? Mais c'est quoi cette journée? Et maintenant je tire au Gralos? Je m'en moque de Gralos, mais quand même! Il est super rare! On peut pas s'arrêter! On peut pas s'arrêter quand on a autant de chance! Allez, 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 allez! On y retourne! Jusqu'à ce qu'on tire un truc bof, on joue! Jusqu'à ce qu'on ait plus d'argent, hein. C'est possible aussi! Ça, ça va être bof, je le sens! Ouais, c'est bof, c'est très bof, c'est tellement bof que voilà, on arrête! Mais c'est pas mal quand même au Gralos! Non mais vous vous rendez compte? J'en ai pas grand chose à faire de Gralos, mais ah! Ah! Bon, allez, on joue la Fever Time. Allez, j'arrive pas à m'arrêter de jogging, ok. Non, mais après ça, on arrête, c'est fini. Hein. On aura joué la Fever Time, donc. Oh. Bon, Sternian. Non. Sternian, c'est une copie de Jibanyan, bon, qui est rang S, mais. Qui est pas ouf et qui est en plus pas un yokai effusif à l'événement, donc si je l'avais pas eu aujourd'hui, j'aurais pu l'avoir plus tard, donc bon, je m'en moque un peu. Alors, voyons voir, ce yokai là, on va le mettre à la place de qui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son âme ultime? Ok, ça... Attendez, ça redonne des PV, ça fait quoi d'autre? Ah, et ça augmente l'attaque? J'ai envie d'éternuer. Désolé. Donc voilà, je l'ai mis à la place de l'autre parce que bah, l'autre c'était un augmenteur de score, donc bon. Allez, on va quand même jouer parce que si on ne joue pas, on ne pourra pas avancer. Et c'est quoi ce yokai? Oh non. ça continue, hein. Je sais pas comment ça se fait, mais bon. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. S'il y a de nouveaux yokai comme ça, faut aussi que j'essaye de devenir leurs amis. Donc on va aller au mont Willwood. Vas-y. Enfin, au Mont Sylvestre. Et on va mettre de l'argent dans le truc. Voilà, donc j'ai plus de chances de devenir ami avec les yokai. C'est très bien. Ok, super. Et lui, bah on va essayer. Je vais pas lancer... Non, je vais pas lancer la glace la plus chère. Mais je vais lancer la deuxième. Voilà. Parce que lui, c'est un nouveau, hein. Je vous le garantis, je l'avais jamais vu. C'est un rang E. C'est super facile de devenir son ami. Je sais pas si ça va arriver, hein, mais c'est super facile. C'est super, super facile. Bon, alors, voyons voir. Attendez, ah, c'est ça, mince. Ah, c'est des trucs comme ça, c'est nul, ça. Ah, c'est nul, c'est vrai qu'il y a le... Ah, l'événement, je le trouvais cool, et là, d'un coup, je le trouve un petit peu moins cool, en fait. Mais bon, c'est pas si grave. Alors... Vas-y. J'aimerais bien faire une fever quand même. Je sais que c'est pas facile parce que le yokai il est un petit peu nul, il a pas de vie, mais bon. Je pense pas qu'on arrive à faire une fever quand même. Ça m'étonnerait beaucoup. Allez. Bah on sait jamais. Oh. On sait jamais. Attendez. On va peut-être faire une fever. Ok, c'est bon, on a fait la fever. Ah, qu'est-ce que je fais? J'aurais bien voulu utiliser Koalanyan, mais le problème, c'est que j'arriverai pas à le charger, Koalanyan, si. Attendez, ça, lui, je peux le faire aller. Vas-y. Ok, c'est bon, Koalanyan, c'est quoi son âme ultime? What? Elle est trop stylée, son âme ultime! Elle est trop bien! Oh, il est trop stylé! Non, vas-y! Ah, mince! Elle est stylée, son âme ultime! C'est quoi ce méga rayon laser de la mort qui tue? Ah, d'un Koalanyan, c'est... Ça va devenir l'un de mes yokai préférés. Hein. Je sais pas s'il est jouable dans Yokai Watch 3, mais en tout cas, moi, s'il l'est, je le veux dans mon équipe, hein, carrément. Alors, on augmente un peu de niveau... Ah, on n'est pas devenu ami ici. J'ai pas fait gaffe. Je crois pas. Non. Bon, dommage, c'est pas grave, je pourrais réessayer plus tard. Bon, alors, allons voir les news, parce que je voulais voir, en fait, la liste des contributions. Enfin, en fait, ça marche comment? C'est quoi le pouvoir des yokai? Okay, ça, c'est des trucs... Elle rajoute plus de points. Lui, il est plus fort contre les boules. Quoi? Ah là, il y a plus de balles de points, mais qu'est-ce qu'il fait, lui?
Ah, il fait qu'il reçoit plus de dégâts quand on se combat contre Fen Xinyan, l'impératrice d'Ibanyan. Donc on va voir, je sais pas si elle est à la fin du chemin ou quoi, je sais pas vraiment comment ça marche en fait. J'ai pas tout lu en fait, donc je sais pas si c'est genre par passe, non je crois que c'est pas par passe. J'en sais rien, on verra ça à la fin. Alors, vas-y, ça on en a besoin quand même. Allez, ouais, très bien. Faut que je refasse une amultine, ce serait. Enfin une fever, ce serait quand même ouf. Vas-y. J'adore la multime de ce yokai là. Le petit koalanian, il est génial. Niveau 13, très bien. Allez, on en est où là? C'est bon, Ah mince, j'aurais pas dû l'utiliser si vite. Tant pis, c'est trop tard. Là. Ok, ah bah je peux augmenter mon attaque, mais bah c'est trop tard d'augmenter mon attaque maintenant. Enfin, je vais encore utiliser une ultime, mais tout seul, malheureusement. Bon, allez, on essaye de détruire la balle P. Et bim. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez de Koalanian, parce que moi je le trouve vraiment trop mignon comme yokai. Mais pourquoi ils font que de me donner des boules P? Je sais pas comment ça s'appelle ce truc, des boules points. Des sphères à points, des boules P. C'est vrai, moi je dis des boules P. Bah en tout cas, ils me les font toujours apparaître quand c'est bientôt la fin. Je crois qu'ils le font exprès. Mais bon, c'est pour nous embêter, hein, forcément. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'ailleurs avec nos points? Voyons voir. Bah lui, je l'ai déjà. Oh, bien, je pourrais essayer d'augmenter son âme ultime. Smashy Bull, c'est bien aussi. Robocoma, bon, bah, il n'y a rien d'ultra intéressant. Hein. Après, il y a ça, ce serait cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Non, cet événement, je sais pas. Je le vois un peu en demi-teinte. Ça se dit. En demi-mesure. Bon, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que cet événement, il m'avait l'air cool. Puis là, en fait, je sais pas. D'un coup, il m'inspire moins, en fait. Enfin... Déjà, le fait que ce soit des sphères à points, ça, je trouve ça nul. Mais j'ai l'impression que les récompenses sont pas ouf. Après, peut-être que le yokai Fen Xinyan, il est vraiment génial. Peut-être, hein. Donc, je sais pas. Mais bah, il doit y avoir un truc bien quand même dans l'événement. Mais sinon, ce qui est quand même cool, c'est que bon, on est en train de voir une nouvelle map. La map, elle est quand même super stylée. Donc, non, y a pas de problème. L'événement, il est pas nul. C'est juste que j'ai l'impression quand même que les récompenses de l'événement sont pas ouf. Ils auraient pu faire mieux. Et pourquoi il y a quasiment aucun Koalanian là? Il va falloir m'expliquer. Hein, parce que moi, je veux faire son âme ultime. Oh là là, non, je veux faire ça. Vas-y. Allez, c'est bon. Là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bah rien de bien parce qu'en fait c'est juste un stun, non? Ah non, ça fait quand même des dégâts. Bon, bah oh, je redeviens ami avec lui, d'accord. Bon, en tout cas, on marque pas beaucoup de points. Hein. Enfin, je parle pas des points dans les sphères. Ah pourquoi ils ont appelé ça des points aussi? Ça n'a pas de sens. Non, je voulais dire, je ne fais pas de très haut score parce que bah, j'ai plus mon équipe de prédilection, donc je gagne plus énormément d'argent par combat. C'est pas ouf, hein. C'est pas super. Je pense que quand j'arriverai dans des niveaux plus difficiles, il faudra que je me remette à avoir mon équipe avec mes boosters d'attaque et tout ça. Hein. Alors, Roupillon. Le petit Roupillon. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de nouveaux yokai sur la map. On en a vu un. Qui d'ailleurs n'avait pas de pouvoir, mais bon. Allez, super. Là, je vais essayer de faire plein de Koalanian. On va voir. Ah, j'aurais bien voulu faire les petits derniers là-bas. Tant pis. Oh bah c'est bon, comme ça on a déjà chargé son âme ultime. Ça tombe bien. La dernière fois, il nous donnait quasiment aucun Koalanian. Là, ils nous en ont donné énormément. Ils nous donnent que ça. Il y a que des Koalanian. C'est quoi cette histoire? Il devrait savoir que je ne peux pas charger son âme ultime deux fois, hein. Donc ça ne sert à rien de me mettre autant de Koalanian. Ok, c'est bon. Donc là, vas-y, petit Koalanian. Ok, j'ai que son âme ultime de charger. Mais attendez, mais c'est quoi la blague là? C'est quoi la blague? Il me redonne encore des Koalanian à l'infini ou quoi? Et c'est quoi le délire que Koalanian il soit multicolore? Genre il devient brillant multicolore et tout, c'est quoi le délire? Oh, je sais pas, mais c'est trop bien. C'est trop bien. On dirait Sailor Moon ou je sais pas quoi. Oh non!
C'est pas grave, mais attendez, mais je suis en veine là, je fais que de devenir ami avec les yokai que je trouve. Bon, bah, c'est cool, hein. C'est cool. Même si j'aurais préféré devenir ami avec le yokai baignoire, mais bon, ils volent pas. Ils volent pas. Alors, 10 points, voilà, c'est ridicule, c'est nul. 10 points, c'est rien, nul. C'est rien. Alors, lui, ouais, il est toujours niveau 4 d'âme ultime. Comme je dis, il reste bloqué longtemps dans le niveau 4 d'âme ultime. Il y a combien de niveaux ? Il y en a 14, bah il y a moyen qu'on les fasse tous, hein. Il y a moyen qu'on les fasse tous dans cette vidéo. Je vais un peu accélérer le rythme, mais on va pouvoir tous les faire. Alors les amis, c'est sûrement, c'est même presque sûr, la dernière vidéo Yo-Kai Watch de, bah, Yo-Kai Watch Wibble Wobble de l'année. Il va sûrement y avoir un autre événement sur Yo-Kai Watch Wibble Wobble, mais cet événement, il commencera sûrement aux environs du 20 ou 22 décembre, je crois, et ce jour-là, moi, je serai en France. Et en France, j'y vais pour voir ma famille, après ma maladie, etc. Donc c'est pour passer Noël, etc., etc. Et donc, eh ben, je pourrais plus faire de vidéo. Donc, c'est pas grave. Parce qu'il faut quand même se dire un truc. Ouais. Sur cette année 2017, on aura quand même, durant toute l'année, on aura fait, je crois, tous les événements de Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Il me semble qu'on n'en aura loupé aucun. Et donc sur toute l'année 2017, eh bien finalement, on aura couvert entièrement le jeu Yo-Kai Watch Wibble Wobble du début à la fin. On a peut-être loupé un ou deux événements, je sais plus, faudrait que je vérifie. Mais il me semble qu'on les a tous faits. Et donc, je trouve que c'est génial, je trouve que c'est extraordinaire. Wibble Wobble, c'est une série, l'année dernière, quand je l'avais commencé, il me semble que si vous regardez la première vidéo Wibble Wobble, il me semble que je dis au début de la vidéo, ouais, je vais vous faire 2-3 vidéos, puis après on abandonne, quoi, parce que c'est juste pour vous présenter le jeu. Et vous avez tellement aimé cette série, vous avez été tellement nombreux à la regarder, à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires à chaque fois, des fois plus que d'autres, hein, parce que ça dépendait vraiment des événements, en fait. Quand il y avait des événements qui avaient l'air génial, vous étiez tous au rendez-vous, puis quand il y avait des événements qui avaient l'air un petit peu plus nuls, vous étiez pas là, enfin, vous étiez moins là. Mais c'est pas grave, c'est normal, hein, moi aussi, quand il y a des événements qui m'intéressaient pas, quand il y a des vidéos sur YouTube, sur des trucs qui m'intéressent pas, je les regarde pas, hein, je me force pas, hein, donc y a pas de problème. Mais donc ça a été énorme, ça a été vraiment extraordinaire. Et je sais pas si on fera la même chose durant l'année 2018, mais je me dis pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, si toi, là qui regarde cette vidéo, tu n'as pas manqué un seul épisode de la série Wibble Wobble durant cette année, laisse un petit commentaire, enfin dis-le dans les commentaires. C'est marrant, ce serait marrant de voir ça, combien de personnes ont suivi la série du début à la fin. C'est dingue, c'est dingue. Finalement, dans l'année 2018, je crois que j'ai adoré le jeu Yo-Kai Watch 2. Mince ! Ah ! On n'a pas fait de Fever, bon tant pis. Donc j'ai adoré le jeu Yo-Kai Watch 2, hein. Vous l'avez adoré aussi, je l'ai adoré. Mais je crois que vraiment le jeu, sur toute l'année, qui m'aura le plus passionné, c'est Yo-Kai Watch Wibble Wobble. C'est pas Zelda, c'est pas Mario. Alors bien entendu, si vous me demandez de choisir quel est mon jeu préféré, quel est mon jeu de l'année 2017, Wibble Wobble ou Mario Odyssey? Je vais vous dire Mario Odyssey, parce que Mario Odyssey, ça a été une claque, ça a été génial. Mais l'activité, même pas le jeu, mais l'activité sur laquelle j'ai passé... Enfin, comment on dit l'entertainment, comment on dit le loisir sur lequel j'ai passé le plus de temps durant l'année 2017 et sans jamais m'en lasser, c'est quand même Wibble Wobble. C'est dingue, je n'ai jamais autant joué à un jeu sur mobile. Je crois que j'ai même jamais autant joué à un jeu de ma vie. Enfin, j'ai sûrement joué plus... Enfin, il y a plein de jeux sur lesquels j'ai joué plus d'heures au total que Wibble Wobble. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a jamais un jeu où entre ma première partie et ma dernière partie, et bah, comment vous expliquer ? Il n'y a jamais eu d'autre jeu dans ma vie auquel j'ai joué tous les jours pendant une aussi longue période que Wibble Wobble. Il n'y en a aucun. Et c'est, voilà, c'était totalement inattendu et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc je sais pas si vous aussi vous avez adoré le jeu Wibble Wobble, parce que faut quand même le dire, au début de l'année 2017, Wibble Wobble, ça n'existait pas en France.
il est sorti durant le courant de l'année. Et je sais pas si vous êtes aussi mis à jouer à Weeble Wobble, ou alors peut-être que vous avez commandé à Noël un téléphone et que vous prévoyez de vous mettre à Weeble Wobble à partir de l'année 2018, après Noël, ou alors peut-être que vous ne vous êtes pas encore mis à Weeble Wobble, mais que vous voulez le faire, ou peut-être que vous ne l'avez jamais fait et que vous avez juste regardé mes vidéos, peut-être... J'en sais rien, mais n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires, qu'on fasse un espèce de petit bilan, en fait. Ah mince, faut que je... J'ouvre le cadenas sur Koalanian. Donc ouais, n'hésitez pas vraiment à dire ça dans les commentaires, qu'on fasse un petit bilan. Est-ce que Weeble Wobble, genre aujourd'hui vous y jouez? Est-ce que vous y avez joué et vous vous en êtes lassé? Est-ce que vous prévoyez de commencer à y jouer? Est-ce que vous l'aviez abandonné et vous y êtes retourné? Est-ce que c'est grâce à moi? Ou est-ce que vous l'avez découvert de votre côté? Est-ce que vous avez découvert Weeble Wobble avant de découvrir Yo-Kai Watch? Par exemple, est-ce que vous avez joué à Weeble Wobble avant de voir Yo-Kai Watch 2? Est-ce que vous avez d'abord joué à Yo-Kai Watch 2 et vous avez tellement aimé que vous vous êtes mis à jouer à Weeble Wobble? Toutes ces questions, c'est fou parce que vous allez sûrement mettre plein de commentaires pour répondre à toutes ces questions et en fait ça va être tellement le bazar parce que les commentaires YouTube c'est quand même pas très ordonné que ça va être difficile de faire un vrai bilan, comment dire... on pourra jamais faire un vrai bilan statistique ou quoi, mais bon, en tout cas, ça donnera des tendances. Et j'ai vraiment bien envie de savoir. J'ai vraiment bien envie de savoir tout ça, parce que Weeble Wobble, pour moi, franchement, si je pense que si dans 5 ans, on me demande de résumer mon année 2017 sur YouTube, on me dit si tu devais résumer l'année 2017 sur ta chaîne YouTube en un jeu, je ne dirais pas Yo-Kai Watch 2. Même si Yo-Kai Watch 2 a eu plus de succès, je ne dirais pas Yo-Kai Watch 2, je dirais Yo-Kai Watch Weeble Wobble. J'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. C'est obligé. Parce que c'est vraiment le jeu du début à la fin de l'année. Si on regarde sur l'année, à mon avis, je crois que j'ai jamais fait de pause de plus de 3 semaines entre deux vidéos. Ou 2 semaines. Ouais, 2 semaines, je crois. Donc c'est peut-être 3 semaines pendant que j'étais malade. Donc c'est juste un... Bref, on va se concentrer, allez, on regarde le jeu, là, bon, de toute façon, c'est tellement facile, les premiers niveaux, que j'ai même pas besoin de me concentrer, je vais quand même essayer d'accélérer, parce que j'ai envie d'aller au boss. J'ai envie de voir ce que c'est, le boss. Ça se trouve, ça va être un truc nul, hein, mais ça se trouve, ça va être un truc bien. Donc on va voir ça. Alors, vas-y... Ok, 10 points dans la poche. Ensuite, on va essayer de faire tout ça. Allez, vas-y. Et je l'aime beaucoup, Yo-Kai Papillon. Je le trouve classe. En plus, c'est un booster d'attaque, donc c'est très bien. C'est très bien. Je l'aime bien. Il est cool. Tous ces Yo-Kai-là, de toute façon, on les redécouvrira quand on jouera à Yo-Kai Watch 3. Pas tout de suite, hein. On ne sait toujours pas quand est-ce que Yo-Kai Watch 3 sortira, mais on risque d'en avoir des nouvelles... Peut-être en janvier, j'en sais rien. À mon avis, on aura des nouvelles sur la série Yo-Kai Watch en janvier. Peut-être pas sur Yo-Kai Watch 3. Ce sera peut-être sur Yo-Kai Watch Weeble Wobble. En tout cas, je suis sûr qu'on aura des nouvelles de la série. Allez, allez, allez. Ouais. Ouf. Quoi? Je l'ai pas tué? Sérieusement? Bon, tant pis, c'est pas grave, parce que voilà. Non, attendez. Oui, vas-y, ok. Je veux le finir avec Koalanian, quand même. Et bim! Koalanian, il explose! Quasiment tous les yokai à l'écran. Bon, en vrai, ça fait pas énormément de dégâts. Mais c'est impressionnant. Donc c'est cool. C'est cool. J'ai l'air bizarre avec des lunettes, non? Je me vois à la caméra. Sachez que c'est temporaire. C'est temporaire. Je garderai pas des lunettes pour toujours. C'est juste que comme là, j'ai une photophobie qui est plus ou moins forte en fonction des jours. Je sais pas pourquoi, ça dépend des jours. Eh bien, je préfère me protéger au maximum de la lumière. Bon, alors, d'ici qu'on arrive au niveau 14, cette vidéo sera peut-être plus longue que les vidéos d'habitude de Yo-Kai Watch Weeble Wobble. Elle durera peut-être 40 minutes, mais bon, tant pis, hein, c'est la dernière vidéo de l'année, donc si elle est plus longue, c'est pas grave. Puis en plus, c'est bientôt les vacances, donc si vous n'avez pas le temps de la regarder en entier, cochez la case à regarder plus tard et vous la regarderez pendant les vacances. Voilà. Enfin, j'aurais peut-être dû dire ça au début de la vidéo, parce que maintenant, il est peut-être un peu tard. Mais bon, je ne pouvais pas savoir, désolé. C'est parce que j'ai passé un peu de temps au début de la vidéo pour expliquer un peu l'événement et tout ça.
J'espère que je vous ai appris des trucs. Alors, attendez, on n'a pas beaucoup de... Ah mince, non, 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 non. Je veux ça. Ah mais attendez, mais Colanian, il est utile pour briser les sphères. Bah oui, voilà. Il brise les sphères très facilement, Colanian, donc c'est très bien. Allez, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Non mais j'arrivais pas à appuyer dessus, c'est quoi la blague? C'est bon, là. Ok, très bien. On fait 100 000, hein. Oui, on fait presque 200 000. Très bien. Bon, je redeviens ami avec Gaston. Waouh. Ah, je me suis griffé. Ah, comment j'ai fait mon code? J'étais tellement content de retrouver que son nom c'était Gaston que je me suis griffé. Bon, voilà, Gaston. Gaston. Comment j'ai pu me souvenir du nom d'un yokai aussi useless que Gaston? Pitapat. Pitapat. Ça, c'est son anglais. Que j'aurais oublié dans 2 secondes. Mais c'est pas grave, on s'en moque de son anglais. Voilà, donc ça justement c'est le petit truc, le truc qu'on arrive là, l'espèce de... avec les marches là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le truc qu'ils mettent dans les maisons japonaises, sur lesquelles ils mettent les petites poupées, voilà. Allez, très bien, là on se fait plaisir avec Colanian, c'est toujours bien, même si j'ai même pas réussi à le charger, ça c'est un petit peu moins bien. Allez... Quoi, comment ça, Koalanian? D'accord, ok, c'est bon. On a Koalanian. Ça, vas-y, charge-toi. Enfin, détruis-toi. Très bien. On est taille 11. C'est bon. On est de la bonne taille maintenant. Qu'est-ce qu'on va essayer de charger de plus? Ça, je sais pas si on va y arriver. Peut-être que si. Peut-être que si, on verra. Allez, vas-y. On va commencer par quoi? On va commencer par ça. J'arriverai pas à faire... le coma, j'ai oublié coma quoi, bah le coma-san légendaire, j'ai oublié comment il s'appelle. Comment ça se fait que je me souviens du nom de Gaston et j'oublie comment le coma-san légendaire il s'appelle? Ah voilà, on peut le faire quand même. Comment il s'appelle coma? J'ai un trou de mémoire, surtout que je suis sûr que je l'ai déjà dit depuis le début de la vidéo, mais là j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment il s'appelle. Coma. C'est pas possible. Ça va être marqué, non? Bah non, c'est même pas marqué. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ah, c'est stressant ce sentiment, vous savez. Quand il y a 2 secondes, je le savais. Et là, j'ai oublié. C'est stressant ce sentiment. Bon, le lugubre. Oui, le lugubre, je m'en souviens. Parce que c'est l'un des premiers yokai qu'on rencontre dans Yokai Watch 1. Voilà, je m'en souviens. Et qu'on rencontre aussi dans le dessin animé du Kawash, non? On la rencontre pas dans le premier épisode du dessin animé du Kawash? Il me semble. Alors... Allez... Vas-y... Super... Alors... Allez-y, c'est bon là? C'est bon, on l'a chargé. J'aurais bien voulu charger le papillon. Le papillon, c'est un petit peu compliqué en fait. Le papillon, il se laisse pas assez faire. Le papillon, il est où là? Ah, ça c'est très bien. Ouah, attendez, il y en a 2, c'est une blague! Oh bah c'est très bien, hein. C'est très très bien. Bah, venez ici. Et le papillon. x3, taille 13, c'est parfait. C'est bon. Maintenant, on charge ça. Et voilà! Là, on a pas mal de choses. On a pas mal de choses, c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer d'anticiper. Non, j'arriverai pas. Non, j'arriverai pas. Je perdais trop de temps. Tant pis, c'est pas grave. Je me disais peut-être que j'arriverai à en charger un autre, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Allez. Et presque 10 000. Presque 10 000. Donc là, on va arriver. Non, c'était le niveau 12. C'était niveau 12 ou niveau 13, j'ai un petit doute. Il me semble que c'était le niveau 12. On va voir ça. On va voir. 330 points finalement, j'ai l'impression que ça augmente assez vite. Voilà, on arrive au niveau 13. Donc là, Madame Longcou. C'est marrant, Madame Longcou en plus, ça marche très bien parce que
Elle est habillée comme une madame japonaise, donc non, elle va très bien, elle ressemble à une poupée japonaise, sur. Donc c'est très bien qu'il l'ait mis sur le piédestal, là. Ça s'appelle un piédestal, voilà, je me souviens. Allez... Oui, il faut arriver taille 13, ça va être bon là, c'est bon, parfait. Le papillon, il y en a quelques-uns, je sais pas s'il y en aura assez, mais... Presque. Là. Super, c'est bon aussi. Maintenant, le Komasan légendaire, dont j'ai toujours le nom sur le bout de la langue. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que toi, tu y vas. Tu te recharges ou pas? J'ai pas vu quelle taille. Ouais, il se recharge. Parce que j'avais pas vu quelle taille il faisait en fait. Donc je savais pas. Très bien. Super, toi tu peux y aller. QB, on n'aura pas le temps, dans tous les cas. Toutoui, peut-être. Ouais, c'est bon, on l'a fait. On aurait eu le temps de refaire un Koalanyan, mais c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. 12 022, c'est très très bien. Et là d'ailleurs, il y avait deux Toutoui, en plus de Madame Longcou. Mais attendez, je suis en train de me dire un truc. Faut que je vérifie sur la map, mais attendez, je vais vérifier sur la map. Allez, retourne sur la map. Oui, donne-moi mes 10 points, c'est rien du tout, 10 points, c'est presque comme si c'était rien. Et donc... Non. Mais en tout cas, sur le piédestal, pour le moment, il n'y a que des filles. Il y a une fille, une autre fille, et là... Eh ben, c'est pas une fille, d'accord. Mec, c'est quoi? Pourquoi ils ont mis Cornio? Pourquoi ils ont mis Cornio? C'est nul! Cornio? Ils rigolent? C'est ça leur boss? C'est Cornio? La déception, quoi. La déception, pourquoi Cornio? On a rien à faire de Cornio. Enfin, je sais pas, il y a peut-être certains d'entre vous dont Cornio c'est le caille préféré, mais moi, en tout cas, personnellement, j'en ai rien à faire de Cornio. Alors, vas-y, Koalanyan. Allez, très bien. Taille combien? Taille 13, parfait. Le papillon, maintenant. Allez. Taille 15, parfait. Non, mais attendez, mais c'est génial, là. Je suis énormément de points et tout, donc c'est super. Alors. Allez. Toi, c'est parti. On peut refaire un Koalanyan ou pas? Je ne pense pas. C'est sûr que non. C'est sûr que non. QB, non, c'était pas loin, mais non. Non. J'aurais pu peut-être en me concentrant, mais non. Trop tard. Et je redeviens ami avec Cornio. Bah dis donc. Génial. Je suis tout excité de redevenir ami avec Cornio. Alors. Une pièce, une étoile. C'est bien. C'est cool. Et on gagne 10 points. On gagne 350 points sur la première map. Finalement, c'est pas si mal. C'est pas ouf, mais c'est pas si mal, parce que j'en aurai peut-être le double sur la map suivante, donc voilà, c'est cool. Et bien voilà, je ne sais pas comment débloquer le niveau secret, tant pis. Et voyons voir, next. Et bien c'est la même map, mais avec des yokai différents. C'est qui lui? On dirait Flash, mais en version fille. Enfin, je sais pas si c'est une fille, mais... Ouais, je pense que oui. Donc voilà. Et bien les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Yokai Watch Fibble Wobble, la dernière de l'année. J'espère que ça vous aura plu, c'est pas la fin de la série. L'année prochaine, on se retrouve pour la suite. Donc bien, d'ici là, portez-vous bien, bonne fête, et à la prochaine les amis. Salut !